Moi, la personne que je connais qui est la plus tata au monde, c'est ma grand-mère Elisabeth. Et cette année, elle a fêté ses 80 ans. Puis au parti de ma grand-mère, mon père en profite pendant que toute la famille est là pour nous annoncer qu'il prend sa retraite. À 50 ans, il nous annonce qu'il prend sa retraite et qu'il retourne terminer ses études en psychologie. Mais ce qui est hot, c'est que je terminais moi aussi mon bac en psychologie. La dernière année, j'ai eu des cours avec mon père, je capotais. Le plus beau souvenir, c'est que j'ai gradué avec mon père en même temps à l'Université de Sherbrooke. Et le soir, on décide d'aller fêter ça toute la famille ensemble. C'est quand même rare que tu aies qu'un fils gradue en même temps que son père. Fait que on va aller manger au Manoir Harvey dans les cantons de l'Est. Ça, c'est un restaurant qu'on aime bien gros, la famille. Et le Manoir Harvey, c'est pas 5 étoiles, c'est 5 diamants. Une bouffe incroyable, une cave à vin fantastique. T'as l'impression que le bon Dieu te pisse dans la gueule. C'est écœurant comment c'est bon. Et ma mère, là, elle aime donc bien ça, aller au Manoir Harvey. Pas parce qu'elle trouve ça bon, parce qu'elle aime ça péter de la broue avec ses chums au bureau le lundi d'après. Et là, nous, on arrive, on est tous chics. Et là, mon père, je vois que leur auto arrive. Et là, mon père ouvre la porte à ma mère. Elle sort. Avec une robe avec des plumes noires. Mais il y en a de la plume. C'est Tweety the Bird version Satan. Là, à la réception, il me dit, est-ce que vous avez une réservation? Mon père, il fait oui, au nom de Lady Gaga. Mais là-bas, t'as pas de serveur, t'as seulement des maîtres d'hôtel, ils sont super chics, hein. Tuxedo, nœud papillon blanc, 50, 60 ans à peu près. Et le nôtre, on voit son nom, il s'appelle Yvan, parce qu'il est marqué ici. Et on arrive dans un moment où ils font un spécial menu du terroir avec des produits de la région, avec du fromage de l'abbaye Saint-Benoît du Lac, de la viande de Cookshire. Et là, il me dit, alors, des questions sur le menu? Ma mère a fait, pfff, non. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on est des spécialistes de la bouffe du terroir. Alors, là, on se commande un festin gargantuesque, des entrées, du foie gras, du canard, du vin. On fait 11 gars, ça va être le fun. Il arrive un moment magique. Yvan, il a pris nos menus, puis à un moment donné, en se relevant, il a dû forcer parce qu'il a pété. Le plus hot, c'est qu'il était face à mon père, mais dos à ma mère. Fait qu'il a un peu pété sur ma mère. T'as vu ses plumes faire... Et moi, tout ce que j'ai en tête, c'est « Oh, c'est un beau pet du tiroir, ça! » Mais on tourne en noir en vin. Tu fais semblant que tu l'as pas entendu, le pet! Et pendant que je fais un effort surhumain pour pas rire, dans mon angle mort, je vois les épaules de mon père qui font ça. Lui, il a décidé qu'il l'avait entendu, le pet. Il se revire, va arriver, puis il fait « Oh! » C'est pas sur le menu, ça! Et là, je pense à ma mère, je fais, hey, elle doit être humiliée. Je la regarde, elle rit pas, assise. Et là, elle va péter dessus! Oh mon Dieu! OK. Je sais que ça fait 5 minutes que je parle de pète et que c'est pas l'affaire la plus intelligente au monde, mais moi, c'est le plus beau moment de ma vie. Parce que je me rappelle, j'avais 23 ans à cette époque-là, j'ai regardé mes parents et j'ai fait « Moi, plus tard, c'est comme ça que je veux être. » Et ça, ce numéro-là, c'est un des premiers numéros que j'ai écrit. Je l'ai écrit, ça fait 5 ans. Je me rappelle, c'était un vendredi, je suis en train de l'écrire, puis ça me fait rire. Je pense à la robe de ma mère, Lady Gaga, puis je trouve ça comique. Puis un petit verre de vin rouge. Vers 9h30, le téléphone sonne. Je réponds, et c'est ma sœur. Elle fait, Pierre, papa et maman ont eu un accident d'auto. Je suis là, ben, sont-ils corrects, t'sais? Et là, 3 secondes de silence. Les 3 secondes les plus longues de toute ma vie. Un jour, mes parents sont partis ensemble au Mont-Tremblant, puis sont jamais revenus. Pis c'est drôle comme elle l'avait fait, parce que j'étais en train d'écrire mon numéro, puis je me disais, de quoi j'ai envie de parler? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de ça? Puis je me suis dit, c'est exactement ça. Que dans la vie, on est fragile, on a des défauts, on a des failles, on perd tellement de temps à ne pas s'accepter comme on est, hein, puis à ne pas profiter des petits plaisirs. Pour le début, ce numéro-là, je n'étais pas capable de le faire. Parce qu'à chaque fois que je le faisais, je partais à pleurer. Parce que ça fait 5 ans que mes parents sont morts.
Mais des fois, j'ai l'impression que ça fait 20 ans tellement je m'ennuie d'eux autres. Puis qu'il y a encore des moments où... Bon, OK, c'est pas vrai, mes parents sont pas morts pour vrai. Mais avouez que ça aurait fait une belle finale de numéro! Hey! Avec le piano! Et là... C'est chiant, hein? Si vous savez à quel point j'ai du plaisir à faire ça... Faut le faire, c'est une confidence. La première fois que mes parents sont venus voir ce numéro-là dans mon show, je leur raconte pas la fin. Voir ma mère en première rangée qui apprend sa propre mort. Écoute, je finis le show, ça va bien, ça prend 30 secondes, j'arrive dans là, ça cogne. Non, ça ne cogne pas, ça varge dans la porte. J'ouvre la porte, ma mère est là, maudit que t'es niaiseux! Faire quoi, des affaires de même au monde? La madame à côté de moi, puis elle a pleuré, la madame a pleuré! Mon père, il arrive. « Oui, il a pleuré! » Plus il a pleuré, plus je trouvais ça drôle! Je le voyais au nounou, on était assis à côté de toi! Et mon père... Mon père, il y a un gars qui parle pas beaucoup de ses émotions, tu sais. Il m'a pris dans ses bras ce soir-là, puis il m'a dit, « Mon gars, il dit, t'as raison. » Il dit, « Des fois, la vie, c'est tough. » Des fois, on mange des coups à la gueule puis on est découragé. Puis c'est pour ça que c'est important d'être tata puis de profiter de chaque petit moment de bonheur. Puis dis, fie-toi sur moi. Pour ce que d'être tata, t'es vraiment bien parti.